Salut les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Gâteau magique, est-ce que ça vous dit? Ça fait déjà quelques années qu'il avait fait fureur et il restera un dessert apprécié par les petits et les grands. On y va. Il est très très facile à réaliser, il faut juste respecter le grammage, ne pas mettre trop de farine par exemple, sinon vous n'allez pas avoir la crème au milieu, elle va pas être crème, elle va tirer plutôt vers le flan. Donc il y a vraiment... Les ingrédients, vous les trouverez sous la vidéo. Vous pouvez le réaliser avec plusieurs goûts, en fait, au Nutella, à la cannelle, flan d'oranger. Vous pouvez vous amuser à mettre ce que vous voulez. À cette étape-là, il ne faut pas trop faire tomber les œufs, le blanc d'œuf. Donc, comme vous pouvez le constater, il va rester quelques des boules de blanc d'œuf. Et c'est ça qui va faire que la génoise elle va être plus développée. Comme vous pouvez le voir, plus le moule est petit, et plus les trois couches ils vont être visibles. Vous allez avoir le flan, la crème et la génoise. Comme vous pouvez le constater, c'est juste magnifique.